Alors bonjour à tout le monde, c'est Kaza. Voilà. Alors, moi je vais faire mon petit. J'ouvre une boîte quoi, comme tout le monde. J'ai reçu une boîte. Voilà. Une boîte. Il y a des dessins. Ça ressemble à une voiture et tout. Si tu sais pas ce que c'est une voiture. Voilà. Avec des roues et phares. Voilà. Quelques détails comme quoi il y a des amortisseurs, un cerveau, c'est prêt à l'emploi. Voilà. Si t'es trop con, qu'il te manque des détails. T'as un plan avec les tailles. Côte. C'est un glacier. Voilà. Tu l'as vu. Voilà. T'as encore une photo, hein. Je sais pas ce que t'as acheté. T'as une photo sur toutes les faces de ce que tu as acheté. Voilà. Belle boîte quand même, hein. À l'arrière avec glacier derrière, mais il paraît que derrière l'étiquette il y a quelque chose. Voilà, voilà ma belle boîte. Donc c'est bon, maintenant qu'est-ce qu'on en a à foutre? Hop, à dégager. J'ouvre, il y a quoi? Il y a ça. Ok, ça se présente comme ça dedans, les commandes et tout. Ouais. Donc, ben j'ouvre avec vous. Voilà. Voiture. Alors, on va y aller doucement parce que tout explosé. Je m'appelle pas Manu. Voilà. Voilà. Il y a glacier. Voyons comme ils font tous. Putain, ça va pas se barrer. Ah là là. Et c'est super bien collé quoi en plus. Mais bon. Faut pas m'emmerder longtemps. Magie. Ah, merde. On refait. Ça sera coupé au montage. Ah, un Chevrolet. Voilà. Voilà l'engin. Les pneus, il n'y a pas de mousse dedans, c'est rigolo. C'est assez rigolo, il n'y a pas de mousse. Et voilà. Les suspensions sont un peu dures. Par rapport au poids de l'engin qui est très léger. Et vu mes autres RC, ben, j'ai l'impression que c'est un poids plus mince. Oula. Voilà. Comment c'est foutu dessous, ben voilà. C'est assez rigolo. C'est assez rigolo. Il va de soi que dans une heure, j'aurai tout explosé. J'aurai tout un peu bougé. Voilà. Bon, c'est prêt à l'emploi, hein. Apparemment. Voilà. Donc, ça se passe maintenant ici. Voilà. Batterie. Batterie, ça, il faudrait demander à Pascal, le spécialiste des batteries. Parce que moi... une quiche pour ce genre de truc quoi. Il y a deux prises. Ouais. Et voilà comment ça se présente. Il y a un logement batterie au fond, le SC, avec tous les modules qui se raccrochent à le SC, phare, tout. Voilà. Donc, par contre, la fermeture, ça fait pas super, super bien. Voilà. L'intérieur, quand je vais l'exploser, ben, je le montrerai plus facilement. Tout ça, ça va être démonté. D'abord, je vais faire un petit essai, comme tout le monde, là. Voilà. Mais j'ai ouvert ma petite boîte. Donc, on va passer à la suite, quand même. Alors, il y a quoi ? On va foutre la batterie là. Ah, il y a un chargeur. Ah, j'oublie pas, il y a une notice. Hein. La partie française est à la fin. Bon, c'est pas trop mal. Hein.
Enfin, là, c'est voilà, français, c'est à la fin et tout. Bon, il n'y a pas de réelles grosses explications, mais à capter. C'est une radio un peu mongolienne, quoi. Voilà. Oui, je crois qu'il faut deux piles. Voilà, il faut dévisser. Il y a les trims. Direction, je sais même pas. C'est pas noté. Bon. Radio de. Radio un peu débile, quoi. Voilà. Ça fera le job. Parce que, en gros, pour 125 euros, quand même, je trouve que c'est sympa. Voilà, le chargeur. Ok. Caractéristique. Je sais pas si on les voit. Voilà. Et la petite clé pour les roues. Voilà. Pour les roues quand même. J'avais déjà, mais bon, voilà. Donc voilà pour l'ouverture de la bobotte là, comme tout le monde là, parce que je vois que ça fait fureur sur le net. J'ouvre une boîte, regardez machin et tout. Bon, mais voilà, je me suis mis hein. Je devais plus racheter de verser, voire même en vendre. Il y en a quand même qui a pu racheter une de mes RC. En plus, on la voit pas. Mais bon. Mais Manu. Voilà, j'ai rejoint le club des petits RC. Mais celui-là, il m'a fait craquer parce que je trouve qu'il a un look qui est vachement bien. Je sais pas si on voit l'intérieur là. C'est pas mal. C'est pas mal, il y a de quoi faire. Voilà. Alors 32 cm de long, je sais pas si je vais vous mettre les côtes. Voilà. Dégagez la caisse. Voilà. Voilà les côtes. C'est sur la bobotte. Faut que je mette une musique d'ascenseur et on fond pour faire tout tout. Hein. J'ai ouvert la boîte du glacier, mais derrière l'étiquette il y a marqué Chevrolet. Voilà. Est-ce que je vais changer la couleur? Ben, tout le monde me fait chier pour pas que je la change. Pourtant j'ai une bombe déjà prête. Voilà. Allez, on y refait une couche. Voilà. Et voilà, là j'ai. En plus c'est génial parce que ça passe bien dans les passages de roues là et tout. Je trouve ça sympa. Et j'ai pas spécialement envie de changer beaucoup de choses dessus. Peut-être quelques trucs, mais voilà. Je n'en ferai pas. Peut-être des modifications. Beaucoup de runs comme d'habitude. Des sorties et puis. Le reste, je laisse la place aux autres pour ouvrir des boîtes. Ciao.